basu déjà mentir. Faut que mon akébi soit tous dans la notion politique. Hein, tout ça vraiment la notion politique. Biso tellement na sans zété tout là et tout là qui va yemba la mort habité. Élection aux alaté, il faut que n'en recensement. Té biso tous à bon côté. Aux alanda. Tant que bozo le bala biso faut que n'en recensement. Tout que n'en recensement comment? Tandis que quelqu'un dans mon cannabis, insécurité, ils ont vraiment ma casse, maman Naomi. Insécurité, ils ont vraiment ma casse. Aux Hollanda, insécurité, ils ont ma casse. Sauf que la ville à Kinshasa, à Wawa, tous ont même des étrangers au bazar, université, la biseau. Avec votre aimé servante Rasta Brian Naomi qui vous préférez à ce pays sur cette émission. Bon, mon anal est sous ma fan n'a pas fait rejeté. Bon, anal est sous la émission. A mis son avis. Oui, il n'a pas évité la nouvelle. Ma soeur est tout pour ma soeur bien. Ma micro baladeur. Ma soeur, ma musicien. Donc, et c'est mon ami Zalé Loko Mouna. Je vous salue tous, que j'aime beaucoup ma soeur Nathalie Loko de cœur, la patronne. Moi, ça Pembe, une femme avec un grand cœur. Donc, je t'aime beaucoup, ma soeur. J'aime beaucoup Rachel Mofuta, ma soeur. Rachel Mofuta, Yuebi. Moi, je salue bébé Pénélope. Pénélope, j'ai arrangé Pénélope. Je t'aime beaucoup. Tu sais, quand tu nommes, t'aime beaucoup. Lélo, à son avis, tout le monde est qui est. Tu es mon qui est dans ma voie politique. Tu es ton côté. Tu es un peu de mon qui est. Pour ce ton côté, hein? Ah non, pour qu'on a été. On est pour ma charge, Nathalie Loko. Lélo, un bébé, nous, cadre, nous, quoi, et si des. Donc, sur l'année, vraiment, ma rambouise est belle. Donc, dans la fin de mission, tu as un cadeau sur la naïe, ou yéba, ou découvre que ma camouche est un bon moment pour maman, ou tu évites. Pour qui ne désavoue ma camouche, on y a un bon moment bébé. Pour y avoir un cas, il y a un bassin qui est basson 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 donc il n'a pas bien nous mon bébé a tout pour s'arrêter à tous apparater tout le baraman bon ils ont important pas ils ont un zéla son avis donc tous au yeba mon qui est aligné le banin aligné tel service au nini puis on peut tous apprendre au tout nini tout au café nini bonjour les potailles bonjour moi journaliste Naomi Naomi, bonjour. Ah, race d'Abraham. Il y a race d'Isaac qui était. Il y a race d'Abraham. Ok. T'as la banne Abraham. Ça va. Bisopé, tout ça va descendre. Abraham, génération, c'est aux générations qui vont l'en avoir vraiment. Déco d'Aïlin, les loutes ont venu dans le plateau de Bisopé et qui tout est pas qu'il y a. Pour tout cela, on a oublié. Non, ils ont ma cambounabi. Non, ils ont ma cambounabi. Sonios parce que tous les citoyens congolais. Tu ne peux pas dire que ils ont ma cambounabi. Non, au coup qui jamais colombo la maman Naomi. Non, ils ont colombo. Parce que oh, biso tous au sala, oh biso tous au sala, ils ont pour intérêt le peuple congolais. Biso tous à l'eau la bande de coinante, oh bâti les maranas sans été, bah ça le ventre d'abord. Tu vois, oh. Ouais, biso tous à l'eau la bande de coinante. Il y a mon lobby, tu n'as pas eu polémique, biso tous à l'eau la bande de coinante. Tous à Kobundé là, trop peuple congolais, peuple ils ont souffert na est, peuple ils ont oufanza là chaque jour, peuple ils ont courant na maï, bah ils ont joué peuple oyo yobana na bango bazotanga bien te gratuité enseignement mais tozo mone logo morote peuple oyo banda ba batila biso couvre fait si le loto yeba ba position na ngote ozolanda biso toza ko bundela ce ko bino peuple wana hein toza la vraiment malamu bana na biso batanga malamu social ya peuple échangé c'est ça ko komi longo la te ndeko na ngai ai mokambusawa na milongo lite ndeko na ile na milongo lite me ilo ko sali ma pasi ba tu bavanda na sanze tu ba kundela ka fufu wana ba nani rache mo futa yo ka bishamo na mokonzi ba nani ba kundela ka fufu
Non, tu l'as dit, au moins, tu es différent. Tu es parti des cadres et parti des masses. Et si des engagements pour la citoyenneté et le développement. Aux Hollanda, tu es un professeur, un professeur, coach sa biso matière hein ba ba ba, ba maman oyo baza ba komi expert na politique ba maman Chantal Mobonyo Zolanda biso toza pembeni na bango toza pembeni na ba professeur Devos Kitoko Zolanda yamo na lobby ke biso to tele makana sanzete te to tele mina sanzete abimi boe a lobby ba bêtise ne ale ba taliba ba zuya mo po ba to tele makana sanzete eza ba taliba biso toza place yo bazo pesa biso matière aux Hollanda comme maman vraiment la polémique non tu bamba batu mabanga te tu défendras toujours ma valeur biso toza bata ba valeur tozo défendre toujours ma valeur aux Hollanda ouais ko bamba ko ko ça va vraiment na polémique wana te biso toza bata ba valeur tu défendras ba valeur tu salera des autres têtes tu tumbaka te au moins ki biso toke liboso ambassade ya Rwanda est-ce que tu buka ki Rwanda. Non, tu y a qui tu passes un message na biso peuple congolais ba diaspora au balanda qui biso ba monique non ba ndeko na biso au baza na nengo makichasa makambo ba sali vraiment et touché même ici bango ce retali de renouvellement awa na poto kuna na Paris ba ndeko na biso ba marcha qui ozolanda ba marcher ba kiti na ambassade ya Rwanda ozolanda ba télé ba sali au biso tout ça là qui ozolanda maman eza vraiment bon biso bamba mabanga te biso toza ba toba valeur toza ko défendre au Itali ba valeur. Donc, tu es comme un président Fayoulou, à ce moment-là, qui est un ambassadeur, et puis il y a un autre qui est un étudiant. Donc, là, tu es vraiment les Camerounais bientôt découvrir, parce qu'ils ont un bateau de billets, donc, ils ont un bateau de billets, par là, il y a un bateau de billets, il y a un bateau de billets, il y a un bateau de billets, il y a un problème. Na aussi pela to landa no ba imonge oyo après bon to zo na plateau na biso to solo la na de kona biso to za na awa te ko te. Merci beaucoup. Moi aussi je vous aime. Professeurs, messieurs, mesdames, les étudiants, étudiantes, je suis très content que vous soyez nombreux et c'est la preuve que vous vous intéressez à votre pays. Notre pays connaît une situation extrêmement difficile et si nous ne faisons pas attention, le pays va exploser. Et le pays va exploser à cause des politiques, des politiciens, politiciennes, véreux, véreuses, qui ne pensent qu'à eux ou à elles. Vous, étudiants, professeurs, élite du pays, vous devez vous révolter de cette situation. Nous devons nous révolter. Tous citoyens, conscients, sérieux, ne peut pas accepter ce qui arrive dans notre pays. Nulle part au monde, on a vu des gens assister passivement à ce qui se passe à notre pays. Donc, nous avons pris notre responsabilité ou nos responsabilités, nous, leaders de la MOCA. Vous savez que les élections se sont passées comme vous le savez, le peuple parti voter, le peuple savait pourquoi il votait, pour qui il a voté. Mais malheureusement, on nous a replongés, comme l'a dit notre Constitution. Donnez-moi le premier slide pour dire qu'est-ce que la Constitution. Voilà, on peut agrandir un peu, il faut agrandir dans
Les pipes sont là, si on peut mettre à 110, 120, ça va aller. Vous voyez, la Constitution dit clairement que depuis son indépendance, les 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à quoi et soulignée comme l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. 1960. Mais 1960, moi, na Botami, le loi a commis la troisième âge, Bissoyo. Depuis 60, est-ce qu'il n'y a pas de maturité? Et pour cela, le peuple congolais a décidé, voilà, en vue de mettre fin à cette chronique de légitimité, d'illégitimité, et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, force vive de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu de mettre en place quoi? Ils ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir librement et souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluraliste, démocratique, transparente et crédible. Voilà ce que le peuple a décidé. Le peuple a décidé que désormais, après tout ce qui s'est passé, nous devons mettre en place une constitution. Il l'a fait. En décembre 2005, le peuple est parti au référendum. Pas dans une révision catastrophique ou dans une révision voulue, comme on a fait le 11 janvier 2011, une révision de tricherie. Mais là, il y a une campagne. On a élaboré le projet de constitution et les gens sont partis partout pour expliquer au peuple qu'est-ce les contenus de cette constitution. Et nous sommes allés au référendum et le peuple au référendum a dit « Nous voulons cette constitution ». On a voté, et on a voté, mais les résultats nous ont replongé de nouveau dans la crise qu'on a déplorée depuis 1960. Résultats non crédibles, résultats non transparents, vérité des urnes oubliées. Vérité des gens oubliés. Et ça, on a mis, malgré le fait qu'on ait mis en place une institution, le Premier ministre vient de vous expliquer comme on avait mis en place la CEI, la commission électorale. Et cette commission électorale, ça n'a pas fonctionné. Et la clé aujourd'hui, c'est la commission électorale. On l'a appelée commission électorale nationale indépendante. Commission nationale électorale indépendante. Indépendante. Mais ça n'a jamais été indépendant. Je vais vous dire la situation. Troisième slide. Regardez la CEI. Vous allez voir ce que vous l'avez. Un, c'était dépolitisé, à outrance. La dernière CENI, sur 13 membres, il y avait 10 politiciens. 10 politiciens sur 13, et si vous comptez que tout de suite acheté, quand il arrive, il est happé. Donc il y avait 11 politiciens, parce que Nanga, c'est un politicien, il n'était pas un indépendant. Donc, politisé. Est totalement dépendante. Pas de transparence, pas de redevabilité. Les messieurs, les dames de la CENI font des opérations. Ils engagent l'argent de l'État. Il y avait tout ce
ce plateau de Kodaïla, tout le monde a mangé. Ah ouais. Par là, vous avez une proposition de réforme. Ok, Madame Naomi, avant d'abord, na otana muzindo, na lingi na lobaboye, en tout cas vraiment, na outi kosenga na ndeko chilombo, oyo a décrété qui trois jours ya deuil national pour na le président oyo étranger Koufaki Ozolanda a décrété trois jours à deuil national, tandis que ndeko chilombo biso awa wana mboka na biso na RDC ba congolais bazo kufa na est de kotilombo ata mokolo moko te asalango ya mwana na uti ko publier na lobby na lobby oui na non na lobby ke ne kotilombo ozolanga na est de kotilombo non yo ka te mwana ebisi de kotilombo ke il faut aussi a décréter pour na ngaya 4 jours ya deuil national et pas ya Kokonabiso, Ozolanda, Kokonabiso, Bandeko Bazo Benge, le père de la résistance, Ozolanda, Honoré Ngwande, Oa Utiko Tikabiso, quelques jours passés, Ozolanda. Il faut Ndekoti Lombo décréter 4 jours ya deuil national, Ozo Salamo pour la étranger. Bon, si on le lola mboka na biso, biso moko to kweli problème. Si on pourquoi pas, Oebi ke ba papa na, Honoré Ngwande, Baza ba papa moko. Oyo hein le lobby soto yekoli résistance c'est pas na ba ngana benga ka ekoko na résistance po biso to za bana Martin Fayulu a memi biso na résistance parce que koko na biso moto a sali résistance depuis époque ya Kabila le père le loyo de kwana a sali nini a kufi ya ngana singa ki 4 jours ya deuil national e kozala vraiment sérieux na mboka na biso. Bah comme on boye baba diaspora boye baki pour la day férié oyo ben président Chilombo a outi kotia et ça expliquer non ba tout ça pour na nini bit na mweza nini puis férié ça il y a nini bo non en fait oyo kembala mo ke ben de Chilombo outi kotia non na lobby boye en fait de Chilombo marambo oyo ya saliwa ça montre que azana le logo moko ya osalate Amoni président ya pays étranger outi kokufa et malamoko a décrété 3 jours ya deuil national poto zonga malamoko na makambu na yo omoni proposition na kati yo te on la parlera on est ici on est dans le plateau on la parlera mais to zonga na nuna makambu ya mona lobby oyebi ke la muka etikala ya deux personnes etikala ya président Eli Martin Fayulu na le premier Adolphe Muzi na peuple congolais au moins dans la démission na ya kana documenté mais tant on a eu na document boué ça veut dire que na hier copé ça ya ni on a zolo bati na hier copé sa matière et pas ba congolais au Zolanda na lobby boué na hier copé sa matière et pas ba congolais coco tu sanga na polémique tu na hier copé sa matière et pas ba congolais na hier coloba non coco tu sanga na polémique exact polémique. En fait, Zélan a expliqué que ouais. Sa matière n'est pas peuple congolais. Biso toza batuma ndé na loba ki le débit toté le makanasa nzété té biso toza batuma kwa toza na notion politique et toza na maturité politique. Né na route ya koloba ke lamuka etikala ya deux personnes et deux personnes yuana basangani basali proposition ya loi de ya loi ba réforme ya CENI ozolanda parce que CENI na mboka na biso à l'époque série ya Ndeko Kabila le fils et comment qui politique bon mona qui m'a ponami au 8 koleka le 30 décembre 2018 ozolanda CENI ezala qui politique. Est-ce qu'on a proposition oh le président élu Martin Fayulu na notre premier Mouzitu Basali balobi nini ezala qui plénière moko avec 23 mois membres ozolanda 23 membres na 23 membres wana oyo bango batie na kati ya proposition oyo il faut 8 délégués ya ba confession religieuse et 8 autres forces sociales et 6 délégués à raison de deux composantes que le présidium de la Mouka estime en 3 ans ozolanda en nabande koloba boye que la Mouka etikala ya président Eli Martin Fayulu na mwana mboka le premier Adolphe Muzitu nde bango mibale basangani basali basali proposition ya loi ya ba réforme ya CENI ozolanda loi ba réforme ya CENI
Et lobby n'a pas sonné. Et lobby que il faut que dans la 23 membres, na katia seni, 23 membres wana, il faut baza la 8 délégués ya profession religieuse et 8 autres de force sociale et 6 délégués de raison, hein, 6 délégués et 2 par composante par la présidium de la Mouka Estime en 3 en RDC, un rapporteur et son adjoint qui seront recrutés par par appel offre aux Olanda. Et balobinini que la présidence de la CENI soit tournante après chaque 3 mois entre les confessions religieuses, c'est-à-dire que présidente aux Olanda, présidence il y a CENI, il faut être à la rotatif aux Olanda pendant 3 mois, c'est-à-dire na 8 confessions religieuses au bazar awawa pendant 3 mois les lots, par exemple maman Naomi hein au diriger CENI au comme présidente à CENI lobikuna mutu mususu lisusa koti aux Olanda. Tout à fait, aux Olanda. Après, Balobini, la proposition sur la réforme des centrales électorales va permettre une dépolitisation de la CENI. Balobi, il faut tout dépolitiser CENI. CENI est comme apolitique aux Olanda. CENI, il ne faut pas être à la quai, le lot au Kabila. Avant d'y aller à la Mouka Mbalamoko, on a nommé Rossard Malonda étant que président CENI. CENI, il ne faut pas être à la Bongo. CENI, il ne faut pas être à la Bongo. CENI, il faut être comme à politique. Il faut, proposition Anna, ne peut être discutée à la chambre basse actuelle, mais à travers un consensus de type dialogue de la CENICO. C'est-à-dire, photo qui est la CENICO, tu vas toquer un dialogue, tu vas dire, tu es solo l'inamo. Tu es, na balusi fait inanga ya mi balé, kota la qui est place, tu vois, lobeli, depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques dont l'une des causes fondamentales est la constatation de la légitime des institutions de leurs animateurs aux Olanda. Envie de mettre à fait cette crise chronique la légitimité de donner au pays toutes les chances de se reconstruire. Le délégué de la classe politique et de la société civile, force vive de la nation, réunie en dialogue intercongolais, ont convenu de mettre en place un nouveau ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique surbasée de laquelle le peuple congolais puisse choisir la souverainement se dirigeant au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparents et crédibles. Aux Olanda maman. Namana ebisa kiyo biso toza batumoko tout élément na sans tete biso toza batumoko place matière réseau piment. Aux Olanda toza na organigramme actuel de la CENI hein ba kongoma ni bolanda mo organigramme ya moyo. Au moni, organigramme yamo ba diaspora botala mo vraiment bien organigramme yamo yo. Après wana, toyé encore na balusi papier na ngai toyé, place wapi to lobby encore la réforme de la loi s'articuler autour des idées suivantes. To lobby boy, CENI ndenge na lobaki ya liboso 1. CENI il faut ezala dépolitiser, CENI il faut ezala dépolitiser. Deuxième, rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Troisième, tolobi, renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Quatrième, tolobi, garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. Aux Olanda. Cinquième point, tolobi, proclamer les résultats qui reflètent la vérité des urnes. Au moins, Koto, tu as dit que l'histoire de la vérité des urnes est aussi la caté. Aux Olanda, il y a que Martin Fayoulou a dit que il y a la vérité des urnes. Aux Olanda. Non, tu as dit que la vérité des urnes était.
proclamer les résultats qui reflètent la vérité des urnes. Au moins, maman, l'histoire de la vérité des urnes, tu n'as jamais voté comme moi. Pour nommer l'État qui est en 2006, ils ont l'air crédible. Aux Olanda, l'élection, ils ont l'air crédible. Pour nommer l'Union, ils ont crédible. Oh, il y a 2006. Il y a un autre lobby. Il faut toujours, dans le cinquième point, aux Olanda, il y a vérité des urnes. Aux Olanda, tant que vous proclamez, oui, tu l'as dit que ma ponami, oh, il y a en 2023, résultat, ils ont l'air crédible. Aux Olanda, moto, peuple, comme on l'a à voter, ne moto, yo, c'est ni, il faut ça la nini. A proclamer que Motoyo maman Naomi Okenda qui peut voter comme le président élu Martin Fayulu après Seni Asalani a que négocier la bison n'est à l'époque Bazoua qui va nommer la bison de Kochi Lombo Tobo Iskwe Lokoana. S'il vous plaît, okay. Le président Martin Fayulu na 2023 a. Il soit repostilé ou bien. Oh, maman, il y a un peu de temps pour moto nzambati ndela biso. Tant que tu as oui, moto nzambati ndela biso, tant que tu as à Genève, de côté le Maloubaki. Le changement s'appelle Martin Fayulu. Ozo la nawa tant que tu as Genève, de côté le Moyemoko à Loba, Kamo Bimaka. Le changement s'appelle Martin Fayulu. Mais le rôle de Martin Fayulu victoire n'a été au peuple comme on le pèse à qui. Changement est comment est-ce qu'on l'appelle le président élu? Non, Azali élu avec 62%. Mal avec Nakaé, l'homme de 62%. Attends, en 2011, ma ponami, l'État qui papa tient ce qu'il dit. Atikala qui jamais cause un pourcentage Joana. Aux Olanda, il y a un homme de 62%. Na si ça. Tu es la sixième pointe au lobby qui est élargir la gestion de la CENI à d'autres structures de la société civile. Aux Olanda, élargir la gestion de la CENI à d'autres structures de la société civile. Aux Olanda, la CENI, il faut société civile, il faut Zala. Aux Olanda, tu es la septième pointe au lobby qui est redéfinir l'attribution des organes de la CENI. Tu es la huitième point au lobby qui répartit clairement les attributions de chaque membre du bureau de la CENI. Pour toi, sous qui ça, tu es la neuvième au lobby qui sélectionner les membres de la CENI sur base de leurs compétences. Aux Olanda, leurs compétences, tu es au de moto, à la compétence, mon côté. Au télébiso et la CNU, Rosar Malonda, au Naniboy, au télébiso, au Nanga, aux Olanda, au télébiso et la CNU. Précisément, Nani, au SNL, il faut à Salabama Kambouana à nommer Batuna CNU qui a nommé. Zélana Silisa, maman, toqué la dixième point, au lobby qui est déconcentrer le pouvoir du secrétaire exécutif national actuel. Tu es la 11e point au lobby qui est réaffirmer les principes d'autonomie d'administratif et financière de la CENI. Tu es la 12e point au lobby qui est rendre effectifs les services d'audit interne au sein de la CENI. Tu es la 13e point au lobby mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral. Tu es la 14e point au lobby qui est faire respecter la durée de mandat des membres de la CENI. Tu es la 15e point au lobby garantir les droits de la sécurité sociale au personnel de la CENI. Tu es la 16e point au lobby qui est garantir la liberté syndicale aux agents et cadres techniques de la CENI. Oyo, parce qu'au moment, il faut pas mon organigramme revue de la CENI. Organigramme revue de la CENI en mode. Si quoi, maman, wana n'a pas si qu'on matière et pas ba congolais nyonsu, au baso l'andabiso, n'a pas étranger, au bagota la émission, na yo, oyo, bas vu déjà matière. Faut mon appétit, tout ça, la notion politique. Hein, tout ça, vraiment la notion politique. Bisous, tellement la scène, c'était tout là, tout là, mouki, bah, yem, bah, moi, bah, élection aux alentours, il faut que tu aies un recensement. Tu es bien sûr aux abonnés. Aux Olanda. Tant que vous avez un bon mot, il faut que tu aies un recensement comment? Tandis que tu es dans le cannabis, insécurité, ils ont vraiment ma casse, maman Naomi. Insécurité, ils ont vraiment ma casse. Aux Olanda. Insécurité, ils ont ma casse. Sauf que tu as une ville à Kinshasa, à Wawa. Tous les mêmes étrangers au bazar, université na biso na ba ipen aux mona mais étrangers wana bazar pour y avoir autant à la mo cannabis, à Wawa.
bazo changer mbala moko ba identité ozolanda azani rwandais mais azui Congo ya ba congolais senini alati les abiloko moko zo poser là ba biso ba problème sikota mbolobi ke recensement tant au béti ni solo bolobi ke non photo ke na recensement siko ba to bongo soki bo recenser bango c'est à dire ba komi ba congolais ozolanda bo recenser même ici na ba étranger biso to bo ya recensement ti ozolanda recensement est ma bête, recensement est bien. Mais na moment ni o est que tokoki ko sala recensement. Recensement ba sala ngo soki sécurité en mboka est bien. Ozolana na mboka na biso sécurité na mizana bien ti. Bétranger bazo kota trop, bétranger bazo kota. Parce que ba bazo sala recensement, recensement zo sala ma. Na ngi na tout na recensement zo sala ma. Élection est en 2023, si ko to 2021. Pour baba na recensement et du moins normalement pour kende to kota ba kivu ba ouais ouais ya recensement et bien ça comme d'ailleurs ya moi to lobby te na mito yo est-ce que censé ou ça la quoi recensement l'élection na 2023 ya moi na lobby te na lobby boye maman Naomi photo e ba ke ba comme moment ba e ba ke 2023 élection ezali coûte ba mataba qui ta 2023 élection ezali 2023 sur l'élection il faut ezali on a une photo on a une non élection ezali alors tika ke na ebisa ba kongomani comme message moko na zo pesa bango ba diaspora au bozan na poto boye ba ke ndekochi lombo Félix ozolanga ndekochi lombo Félix à l'époque yo moko lobaka ke ce qui élection est de Kabila paix a pe l'homme du peuple na beti sete na lobby ke pour na congolais autres bunda pour na intérêt à peuple congolais na lobby ce qui élection est salamité na mboka oyoyo yo petit lombo okozala te na kati ya mboka oyoyo ba mataba kita ata bazwi mutolo ba pakola ngo dongo dongo to ko kende kaka na recensement ba mata ata ba meli ba kati ba kwit ko ke salamité président arrosa la tena 2023 oui c'est que président Fayulu ba arrosa la tena 2023 to président Fayulu a arrosa la tena comment en 2023 président Fayulu ata moto yo peuple congolais sala nini et vota et pona ki ozolanda peuple yeye moko te zo réclamer baza na posa ba kende malamba ba zo président lui Martin Fayulu ba kende ko tika malamoko baki nous vendissons la kita qui ya qui beaucoup dinaï aux olanda au peuple comme on les a souffrir et baso s'est retrouvé et en mot lobby ce qui élection 2023 a été négocié le mopé aux athées pas question y'a recensement tout boy recensement tout boy recensement pas question à recensement n'est pas le baril n'a négo Kabila n'est n'a y peut moi la moka d'ailleurs l'homme du peuple n'a lobby n'a recensement n'est pas na lobby ya na veut comprendre yo maman journaliste et non mozolo ba ezolo ba mami minke tricage yo et salama ki na 2018 des mois que recensement salama poto yeba tozali combien mutu oyo azui ba voir combien pour ba kabola poto zo na lobby na yo oui zela madame ba message s'il vous plaît ba tu ba message ngolo ba ke kongola linga na ye presidente ata bo changer o bozui o bo changer o bozui o to linga karaté. Mais il y a des gens qui aiment beaucoup Fayulu, il y a des gens aussi qui aiment Chilombo, il y a des gens aussi, oh, Balbanda qui Kolinga, l'ex-président qui, Joseph Kabila Kabangi. Ce qui est très bien, nombre de gens qui ont permis de faire pour le président et l'Ina Bissot, la facilité de faire vraiment ne balingi un tel bout pour comme on a payé le bas comme on l'a qu'il n'a pas présenté et ça a nini et le mois biso dans la place et yo moni comme on l'a nini à la mboka na biso comme on l'a nini à l'ingo à président élite Martin Fayulu tant président élite à bé à bé non colobate basé belé maman wana basé belé ou balingi si ka pour le moment balingi pe président Fayulu non peuple comme on l'a né et l'ingi de kochi lomboté mais peuple comme on l'a et l'ingi moi na mboka Martin Fayulu tant que lobby qui est non à la balikanisation boy to telemila makamba est-ce to lobito bimali banda omuna wanasko mondo gaus e wuti wa ki pa president eli Martin Fayulu omuna bou batu nyos li banda ozolanda tikana e bisa ok mama Naomi 2023 to ok na maponami peuple congolais to ebi ke bo vota ki president eli na ta mula e boza toujours na confiance na biso ndenge tu lomba loba le changement s'appelle Martin Fayulu. Si on a dit Sabino, au moins dans Moko Yoko, à ta bazui qui n'a ni bâti et ouana, ce qui Martin Fayulu a vu quitte na et ouana, changement peu kouyati. À ta ba mati ou à baki ou à piata ou baki ou à bazui moutou, ce qui bâti Martin Fayulu, changement kouyati. N'engue tout le bas que le changement s'appelle Martin Fayulu,
Les changements aussi s'appellent Martin Fayulu. Congo a changé tant que le président élu Martin Fayulu a reporté Nzale Sili, Kouranama et Bongi, Kela Kabana, et comme il vraiment bien. Quand la minité, moi la moka, honoré Mwanda, la Maroc, à Koufi, aux autres, maman la bimi aigle, naïe Koloba, au moins on a jamais n'a sa maman aux idées nationales. Le père de la nation, Tolila qui est payé, tu as qui 4 jours, y a pour les laïe, non, la lobby, au moins, tu sais que du père, Tolila qui est 4 jours, la lobby, bon mot, oh maman. Mais pour la biso élection 2023, tout ça n'a pas pour nami. Aux Hollandes, 2023, tout ce n'a pas pour nami. Pas question, il y a recensement. Merci. Bien au nom de mon yoki, Nicolas, pas de recensement 2023, balingi. Tout ça, la élection. N'est-ce pas, maman, il est rare. Ce qui est l'élection, exacte, n'est pas le mot exacte. Alors, avec Ndeko Daïla, tu découvres, oh, nous sommes tous les cas qui peuvent expliquer biso clairement. Expliquer biso clairement, ouais. Oh, nous sommes les cas qui. Merci beaucoup à tous les fans Nanga ou Batala Kabayanga Karas Praya, mais je vous aime tant, je vous aime beaucoup. Nathalie Loko, ma sœur, ma patronne, mon tout, je t'appelle mon tout. Ma sœur, moi je t'aime beaucoup, je t'aime Rachel Moufouta. J'aime aussi mon vieux guiche à moi, à mon condi. Je ne vous ai pas oublié, mon vieux, je ne peux pas oublier. Je peux oublier n'importe qui, mais pas vous. Hein. Je salue Kidiaba, les grands gardiens. Je vous salue, j'aime beaucoup, je vous aime beaucoup tout le monde que vous suivez. Ferouche TV, Nanga Rabino Makasi, votre aime servante dans Miras d'Abraham, au Bozela Kizela Kaye. Un prochain numéro, prochaine émission, toujours dans la calamité. Dans la bande, vous savez, le binou n'y a pas de mouké à l'élo politique. Donc, vous avez eu. Makambou, balobi Penelope, Penelope, j'ai arrangé. Penelope, j'ai arrangé. C'est ce que je sais que tu as beaucoup aimé comme je t'ai appelé Penelope, je vous aime beaucoup. Et prie. Bon, au moment de la fin, on a eu Zali Bouyoka qui le président élu Martin Fayulu à l'Obakike, Nengetouzaboué, Kalani, Nitero Bengisa, Bino, tout média, tout Kende, Bomona, Tombo, ya Koko Nabiso, Tombo, ya Koko Nabiso, chef Gérard. Gérard Fayulu, pour battre Bélé, Fayulu est à l'étranger, mais Fayulu est à Congolais. À part ça, on a pu si le Congolais n'y a pas de mots, on a pu le Landibicho, la diaspora, on a pu si le mot, on a pu 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 le mot,
nzamba sunganga iba diaspora nazana posana ni ata mabela est funa kita vraiment na mabela vraiment ya est boyi ki chaque fois na yaka na be mission na lata ka drapeau Congo ça montre que toza na amour ya Congo a part ça soza na posana ngai numéro na ma WhatsApp eza plus 243 89 65 00 669 plus 243 89 65 00 669 et vous voyez que le président il dit moi dans mon commentaire faut la lobaki parce que qui cause wa bango ndenge bazamo tous les leaders politiques ils se battent contre eux zo la to tambula ba province ils sont mboka oyo total nani azana nani azana popularité nani peuple congolais ils en a simanaye kala mingi te to kita ki kwiti buto ki ndoko mona place wa bakonda koko na biso. En tout cas, vraiment, STN, Nazoli, la diaspora, Nazana Posa, Toti Kabana STT, Nazana Posa, Toti Kabana STT. On est les cœurs avec vous, ST, on est les cœurs avec vous, on vous aime beaucoup, les Congolais, tous les Congolais vous aiment beaucoup, ST. Donc, vous, maintenant, vous en avez un thème à la bisou, que vous en avez un, il y a trop. Émission à la bisou est comme Nasuka, son avis, Nabiso, elle est comme Nasuka. Namoni qui est au Koutani, à la prochaine numéro 57 mauvais, je vous salue. Ngimbi, les caméramens du temps, les caméramens d'aujourd'hui, je te salue, Ngimbi. Ngimbi, je t'aime beaucoup. Et t'as la caca. Balobi, ton loma la bison a été. Tosan la bison peka na yé. Wana ou yé bien. Jamouanza. L'homme c'est l'homme au cœur, mais. Gimbinde le cameraman du moment. Gimbinde Betty Makambu. Gimbinde Makambu. Donc, Gimbo, si je t'aime beaucoup, Jean Wanza, l'homme selon mon cœur, je t'aime. 5 semaines mauvais, je te salue. Ciao.